Salam mes abonnés, comment vous allez? Bien super. Aujourd'hui, je vous amène au barrage Zamrin. Donc, nous allons pour la découverte une première fois. Donc, je vous exhorte à vous abonner, à aimer la vidéo et à laisser vos commentaires. Je sais que c'est ennuyant souvent, hein, mais bon, je vais mieux m'améliorer. Donc, j'ai besoin de votre soutien. Donc, let's go. Là directement, je suis revenu à la maison. Pourquoi je suis revenu à la maison? Je pensais que c'était quelque chose de 10 dirhams ou bien 15 dirhams. Du coup, j'ai voulu faire un aller-retour. Donc, c'est comme je vais louer le taxi blanc pour me rendre là-bas. Donc, pour ça, je suis retourné à la maison, venu augmenter mon transport. Là, je suis dans le véhicule. Enfin, je me dirige, je vais là-bas. Donc, nous sortons comme ça. Direction, c'est l'autoroute je pense que c'est l'autoroute mon mais si c'est Mohamed 6, l'autoroute, Mohamed 6, ça. Oh, ok, ok. Apprendre la langue aussi est importante. Si je comprenais bien la langue, on allait mieux discuter ensemble. Mais bon, vu que je ne comprends pas assez, c'est là que je pique. Là, je suis arrivé au barrage Zamrin et du danger de noyade. Voilà ça. Barrage. Je vois de loin là-bas deux bœufs en train de boire. Ah, il fait beau ici, hein. Aujourd'hui, j'ai reçu un message sur une vidéo que j'ai mis la carte du Maroc. C'est un bruit ici. Le commentaire me dit que compte tenu que j'ai placé la carte du Maroc, ça veut dire que je ne connais rien du Maroc. Et il va aller me signaler sur YouTube le crime contre l'humanité. Mais bien d'abord, moi, je veux dire à la personne que moi, je suis venu pour la deuxième fois au Maroc ici. Par la route. Donc, je suis passé par la frontière entre Mauritanie et Maroc. Je n'ai pas vu un autre pays. C'est là-bas qu'ils ont mis mon passeport, le cachet. Il y a poisson dedans. Hein? Comment on appelle? Il y a
pitié. Celui qui est venu faire boire les bœufs là, c'est une petite fille. Hein. Donc on va bien voir, comme il dit qu'il va me signaler sur YouTube pour crime contre l'humanité, puisque j'ai placé la carte du Maroc. Là, je vais devant. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ceux qui peuvent chanter, ils utilisent les paroles de ceux qui propagent la haine pour faire leur musique. J'ai compris. Tout ça là, moi je crois que c'est de la bénédiction. Beaucoup de personnes viennent mettre j'aime pas. Moi personnellement, quand j'aime pas une vidéo d'une personne, je ne regarde pas. Parce que jamais que j'ai mis je n'aime pas dans une vidéo de quiconque, je ne le ferai pas. Si j'aime pas ta vidéo, je ne regarde pas. C'est tout. Donc, je vous exhorte à aimer la vidéo, à vous abonner. Je ne m'attendais pas que j'allais rencontrer des personnes contre ce que je fais. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire des clashs. Déjà, les clashs là, c'est un truc que moi je n'aime pas. Je ne regarde pas vidéo qui fait clash. Je ne suis pas dedans. Je vis dans un pays. J'ai toujours mentionné que c'est le seul pays où je suis arrivé et puis. Ils ne m'ont rien pris. Je crois que l'eau a diminué. C'est comme si l'eau était ici avant, là-bas. Mais ça a diminué. D'autres qui écrivent en me disant que moi je ne fais que montrer des maisons. Que quand les touristes viennent, d'abord. À mes précédentes vidéos, je n'ai jamais dit que je suis touriste. J'ai bien dit que je suis migrant. Voilà. Comme la vie là. Même si tu as échoué, mais la vie continue. Il faut toujours te battre. Il faut toujours se battre. Ils disent que les gens viennent, c'est où se trouvent les cabarets et les boîtes de nuit. C'est là qu'ils viennent. Les touristes, mais tout le monde n'est pas la même chose. Mais quand les touristes viennent, si la ville n'est pas sécurisée, s'il n'y a pas de l'électricité, s'il n'y a pas de maison, mais les touristes vont faire comment? Forcément, ils doivent voir les maisons, la propriété de la ville, et puis comment les gens sont. Si les gens sont honnêtes, s'ils sont gentils, c'est là que les gens vont venir. Il vient écrit sous ma vidéo en disant que c'est des maisons là que je montre. Que mes vidéos ne servent à rien. Ce que je fais là, un bon jour, je serai chez moi. Vieillard. Je vais regarder. Ah, j'ai été ici là. Voilà. C'est mon rêve. Donc, personne ne peut l'enlever. Ça a pris du temps, mais bon. Chez nous, on dit tout ce que Dieu fait. Bon. Donc, comme ça, je vais de l'autre côté là-bas. Vous voyez? Malgré ça, tout ici là, il y a la propreté. Ça, il faut voir ça chez nous là-bas. Il faut voir que tout. Pourtant, il souffle. Le vent souffle beaucoup ici. Par rapport à chez nous. Il était chez nous là, tu vas voir que tout ici là, ça serait saché. Mais voyez-vous. Voyez-vous la propreté même du coin. Pourtant, il n'y a personne. Hein. Ouais. Il n'y a personne ici, la seule personne ici. Moi, mes vidéos là. Heureusement qu'il y a des gens qui comprennent mes vidéos. Parce que moi, mes vidéos sont basées sur l'honnêteté. Comment on doit faire aussi chez nous. Parce que j'ai compris que l'argent que le monde fabrique là, c'est pour travailler.
ça ne sert à rien de penser que c'est par les ANAC que nous, Noirs Africains, nous allons réussir. Non. Ici, je trouve qu'ils bossent très dur. Et puis, quelqu'un ne veut pas venir ici illégalement et puis il va occuper. Même ceux qui vivent illégalement ici même là. Tu ne vas pas sentir comme soit souvent on entend dans les pays développés, va chez toi, physiquement dans les vidéos. Mais ici là, c'est rare que tu vas voir ce genre de choses. Moi personnellement, je le dis toujours, je le répète, je n'ai jamais rencontré de ce genre de propos. Parce que, moi je suis quelqu'un, je suis tout le temps beaucoup souriant. Hein? Voilà. Même si aujourd'hui je sors qu'un enfant m'appelle à un autre moment, je souris et puis je quitte là. Parce que je vais aller loin. Et voici un poisson. Un gros poisson. Waouh. Il m'a vu là, il s'en va. Viens. Voici le poisson là. Non, ça c'est tortue. C'est une tortue. La tortue est partie. Donc aujourd'hui, je suis venu vous montrer un peu. C'est une tortue. J'espère. Ah. Quelqu'un qui adore la pêche. Il y a des tortues ici, hein, sur les cailloux. Ils m'ont fui, les tortues tous fui. Oh my goodness. Oh là là. Ils ont peur. Ils ont tous peur, les tortues. Lui, il est venu mettre sa tête là, si je suis encore là. Jaloux là. Ah, ça là. Je ne vois de l'autre côté là-haut. Même à côté, les maisons même là. Les maisons ne sont pas assez mal. Les tortues sont en train de me fuir. Je sais pas pourquoi. J'ai vu de loin, je croyais que c'était les poissons. Comme ça, tu pêches, tu fais ton petit foyer ici, tu braises ça bien. Peut-être comme c'est le mois du Ramadan, raison pour laquelle il n'y a personne ici. Mais le coin reste propre. Reste propre. Les tortues fuient tous, hein. Mais il y a beaucoup de tortues dedans. Il y en a assez. Si l'autre pouvait rester. Reste, pourquoi je te filme? Vous attendez le bruit, j'espère. Waouh! Voici l'autre.
Voici l'autre qui est sur le caillou là. Ah, il m'a vu la fuite. Regardez. Il y a assez de tortues. On les pêche ou quoi? Pourquoi ils ont peur? Oh, ça me fait mal. Il veut les filmer. Voici. Voici leur tête. L'autre est sorti. Je suis là. Voici, ils font sortir leur tête. Ok. Donc voilà le barrage Zamrin de Koribga. Le barrage Zamrin. Il y a au moins 4 maisons, mais il y a courant ici. Tous les bruits que vous entendez, c'est les tortues. Les coins comme ça, là, beaucoup sont des ceux qui vivent là. Ils sont beaucoup choses que tu vas te ou bien berger. Maintenant, je crois avoir fini. Donc, je quitte les lieux. Je me rends dans mon taxi. Je me retourne. Je pense, en partant là, je vais mettre la vidéo. On ira ensemble. أصبح هي نفسية.